Paul dit, Paul would say, vous n'avez pas besoin, vous chrétiens de Thessalonique, vous chrétiens, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle encore du retour du Seigneur parce que vous connaissez, vous savez ces choses. Als jullie hebben dat niet nodig dat jullie nog over de terugkomst van God gaan spreken, jullie christen van Thessaloniciens, wat jullie kennen deze dingen. Mais aujourd'hui, maar vandaag, beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que c'est le jour du Seigneur. Veel christenen, ze weten nog niet wat is de terugkomst van de Heer. Le combat spirituel, ils connaissent. Les geestelijke gevechten kennen ze. Combat. On leur a mis ça dans le crâne. Dat hebben ze in hun hoofd gezet. Jeûner, ça ils connaissent. Fasten, dat kennen ze ook. Parler en langue, ils savent parler en langue. Tongtaal spreken, dat kunnen ze ook. Mais le jour le plus important, maar de belangrijkste dag, le jour où Dieu va revenir, de dag wanneer de Heer gaat terugkomen. Ils connaissent pas les, ils savent pas les signes, ils connaissent pas. Dat kennen ze niet, ze kennen de tekenen niet. On n'en parle pas. Ze spreken daar niet over met hun. Savez, le Seigneur a dit quoi? Weet jullie wat zei God? Ce qui arrive à l'époque de Noé arrivera pareil à son avènement, lors de son avènement. Toen hij sprak over zijn terugkomst, hij zegt wat in de tijd van Noah was gebeurd. À l'époque de Noé, dites-moi. In de tijd van Noah. Noé était membre de quelle église? Noah was een lid van welke kerk? Hein? Van welke kerk was? Alléluia. Noé avec quel pasteur? Welke pasteur had Noah? Noé était attaché à quel apôtre? Hij was zich vastgebonden aan welk apostel? Dites-moi. Vertel me. Il avait combien d'enfants? Hoeveel kinderen had hij? Trois. Drie kinderen had hij. Donnez-moi le nom du pasteur de leur des enfants de Noé. Geef me de naam van die pasteur van de kinderen van Noah. Aucun. Sauf Dieu lui-même. Geen, dat was God zelf. Mais Noé. Maar Noah. Au lieu de chercher, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ah non mais je veux m'attacher à un bâtiment, à un apôtre, à un prophète. Je veux plutôt il a développé sa relation in avec Adonai, Noah, avec Dieu. De zoeken, zoals veel christenen van vandaag, ja, ik ga een kerkgebouw zoeken. Had zijn relatie ontwikkeld met God. Il a tellement développé sa relation avec Dieu qu'il a su former ses propres enfants à la maison. Zijn eigen kinderen had gevormd thuis. Vous, avec vos enfants, comment ça se passe à la maison? Maar jullie en jullie kinderen, hoe gebeurt dat thuis? Dans le bâtiment d'église, vous êtes des chrétiens, vous priez, vous chantez à la maison. Vous êtes quoi? C'est fini. Iets afgelopen, er is geen tijd meer. Si vous n'avez pas compris, vous devez rapidement, mais rapidement. Als jullie niet hebben begrepen, dan moet je heel snel. Prendre vos enfants à la maison pour commencer à prier d'abord à la maison. Heel snel jullie kinderen pakken om te beginnen te bidden thuis. C'est que vous allez rester. Anders gaan jullie blijven. Chaque famille doit avoir une église locale à la maison. Elke gezin moet zijn lokale kerk thuis hebben. Vous avez vu, le Seigneur a dit quoi? Hebben jullie gezien wat zei God? Ce qui arrive à l'époque de Lot, pareil, arrivera pareillement lors du retour de Yeshua. Hij zei wat is gebeurd in de tijd van Lot, daar gaat ook hetzelfde gebeuren wanneer Jezus terugkomt. Lot allait dans quelle assemblée? Zeg tegen mij, Lot, naar welke kerkgemeente ging hij? Lot, qui était son pasteur? Wie was zijn pasteur? Qui était son apôtre? Wie was zijn apostel? Qui était sa dénomination? Welke kerknaam had hij? Pourtant Dieu l'a sauvé. Maar God heeft hem gered. Vous avez vu? Hebben jullie gezien? Ça veut dire quoi? Wat wil dat zeggen? Quand Jésus dit, wanneer Jezus zegt, que ce qui arrive à l'époque de Noé et de Lot arrivera pareillement. Wat gebeurde in de tijd van Lot? Lot de son retour. Il veut nous dire, hij wil ons zeggen, que ceux qui vont partir, maar degenen die meteen meegaan, ce sont ceux et celles qui ont une relation avec Dieu et non avec les hommes. Mensen. Aujourd'hui, si on vous sort de l'église locale, vous perdez la foi. Voor de meesten, wanneer ze hun wegjagen van de kerkgemeente, dan hebben ze geen geloof meer. Oh, l'église a fermé. Oh, de kerk is gesloten. Vous avez vu? Hebben jullie gezien? Beaucoup de chrétiens craignent Dieu par rapport à leur pasteur. Ce message là, c'est pour vous sauver. Deze boodschap is, c'est pour vous dire que l'enfer existe. Dat de hel bestaat. Je veux que tu l'entendes bien comme il faut ce matin. Goed luister, dat de hel que bestaat. Si tu meurs là, tel que tu es là, nu, tu vas brûler pendant l'éternité. Je gaat voor eeuwigheid verbranden. Et ça va être à cause de qui? À cause d'un homme? Un homme? En moet dat door een mens, c'est à cause d'un homme que tu vas là-bas? Door een mens dat je naar de hel gaat? À cause d'une femme tu vas là-bas? Of door een vrouw dat je naar de hel gaat? À cause de l'argent tu vas là-bas? Of door geld dat je naar de hel gaat? À cause de ta foi?
Of door jouw sterk, à cause de ton corps, of door jouw lichaam. Nous ne sommes pas des, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous n'avons pas de salaire, nous n'en voulons pas. Nous voulons dire aux frères et sœurs que nous sommes à la fin, que tout est fini. We hebben geen salaris, dat wil ik ook niet. Un message a été dépêché du ciel. Ne courez plus après les hommes. Vous devez chacun chez vous développer vos relations avec Dieu. Jullie moeten niet achter mensen lopen. Iedere van jullie moet bij hem zijn relatie met God ontwikkelen. Daar ga je zien. Nous sommes dans un temps où chacun doit se sauver. We zijn in een tijd waar iedereen van ons die moet zichzelf redden. Chacun doit chercher à sauver sa vie d'abord. Iedereen moet zoeken om zijn leven te redden eerst. Et ceux qui sont sauvés, ils doivent se battre pour conserver leur salut. En diegenen die gered worden, die moeten vechten om hun redding te behouden.